tous et bienvenue pour cette 9e étape du Tour de France en direct de Bagnères-de-Bigorre, où contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas de déguster des bigorneaux, mais d'avaler des kilomètres de montagne. Parce que la montagne... Ça vous gagne. Ils sont au top. Les gars, hier, il y en a qui ont mangé du chili con carne. Et ça, dites-le vous bien, c'est contre ma méthode. Contre la méthode de l'équipe Vittel. Alors aujourd'hui, les gars, vous allez faire l'étape. Mais vous allez la faire, voyez là, dans la caravane. Oh allez hop. Oh non, coach, oh non. Allez hop, on discute pas. Je veux pas. Faire du vélo, moi. On discute pas. Non, je veux voir mes fans. Tu vas en faire quand même. Oh non. Bon, toi aussi, tu montes, tu te dépêches. C'est dégueu, c'est dégueu. Ouais, super, on va rien glander. Allez hop. Vous allez comprendre une chose. Hein? Qu'est-ce que j'ai mal à la tête? Non, 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 je vois plus ça. J'ai mal au genou, moi. Mal au rein. Non, mais j'ai mal au cul. Demain, je préfère remonter sur le vélo, hein. Je préfère que ça monte comme ça. Je me trouve actuellement avec le fan club de Bernard Hinault. N'est-ce pas, monsieur Bernard Hinault? Moi, c'est Poulidor. Ah, excusez-moi, j'ai été mal informé. Et tout de suite, une petite séquence spéciale fan avec des fans qui, vous allez le voir, reflètent cette France qu'on aime tant. Bonjour, Cindy Ploton, enchanté. Alors, Ploton. Ploton. Oui. Quel est votre prénom, monsieur ? Gérard. Bonjour Gérard. Alors, comment vous vous organisez chaque année ? C'est le camping, comment ça se passe ? La glacière ? Oui, oui, c'est qu'on a pris notre petit jet privé, puis on est venu avec notre glacière. J'ai acheté mon premier camping-car à 15 ans. J'avais pas le permis, mais bon, ça vous le dirai pas. Hein. Et donc, Et puis là, maintenant, j'en suis à mon 100e camping-car. Et là, bon, bah, je commence à m'y connaître en camping-car. Hein, et j'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour suivre le Tour de France. Je l'ai aménagé, je l'ai adapté. Et d'ailleurs, je peux vous inviter à y passer un petit moment si vous voulez. Quelle étape vous préférez ? À les étapes de montagne, bien sûr. Ah oui, c'est mieux. Ouais, parce qu'ils vont moins vite, on a le temps de les voir. Enfin, si on est dans la montée, dans la descente, c'est monstrueux. Et le vélo, sinon ? Eh ben, le vélo, deux roues, un pédalier, un guidon, des freins arrière et avant. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un autographe ? Oui, bien sûr, vous êtes un peu débrouillé tout de même. Ça fait très longtemps que j'attends. C'est vrai ? Ouais. C'est tenez. Ça l'autographe ? Oui. Ah, c'est vous ne pouvez pas marquer pour Adeline, bisous. Comme ça, je peux frimer. Adeline, bisous, voilà. Je vous ai déjà vu quelque part, non ? Ouais, j'étais sur le bord de la route. Je peux vous faire la bise ? Avec le plus grand des plaisirs. C'est ma grand-mère qui va être contente, elle vous adore. C'est vrai ? Ouais. Vous sentez bon, en tout cas. Un grand merci à tous ces inconnus qui, pour une fois, ont bien voulu se prêter à l'exercice de l'interview. Et tout de suite, on retrouve Willy Roulette pour les petits métiers du Tour. Bonjour Cindy, c'est Willy Roulette pour les petits métiers du Tour. Aujourd'hui, je suis avec Dorothée, une porteuse d'eau de l'équipe Vittel. Bonjour ma dodo. Bonjour. Alors, ça consiste en quoi exactement, porteuse d'eau pour l'équipe Vittel? Bah écoutez, moi en fait je suis surtout intermittente du spectacle. Ah, vous n'avez pas de métier donc? Si, si, je suis comédienne. Hein. Ah. J'ai voulu fuir un petit peu les strass et les paillettes de la vie parisienne. D'accord, est-ce que vous avez des projets pour le futur, on entend bien? Évidemment, plein. J'ai une figuration sur Plus belle la vie et j'ai un spectacle de marionnettes qui me tient énormément à cœur, un très beau spectacle. Chef Somine, Chef Somine. Dorothée, qu'est-ce que tu fais là? Il y a Nelson Montfort qui attend sa bouteille d'eau, on a autre chose à faire, donc tu te dépêches. D'accord. Hop, il y en a là-bas. Vous l'aurez compris, c'était une émission sous le signe des saltimbanques. Et comme diraient mes deux amis Tic et Tac, l'important sur le Tour de France, c'est de garder espoir. À demain! Il est arrivé avec son petit bonnet de berger sans brebis et son gros blouson qui sentait le voyage. Chef Somine! Chef Somine!